Bienvenue pour le retour de XCOM 2. Alors j'avais commencé une campagne en légendaire, etc. Et pour des raisons que je ne vais pas citer, car je ne m'en rappelle sûrement pas, j'ai un peu arrêté. Donc nous allons essayer de se relancer un peu dans le bain XCOM 2, War of the Chosen, donc le DLC, avec quelques mods. Mais on va essayer de jouer le plus possible vanilla. Les mods sont surtout esthétiques, hein, énormément esthétiques même. Et il y a quelques objets en plus, mais on les utilisera plus tard. Je crois que je l'avais déjà expliqué il y a genre 6 mois. En tout cas, nous avons des persos que j'avais refait, en fait, avant. Donc nous avons Lupo, en gros ce sont des personnages de Resident Evil, Opération Raccoon City. Un jeu que j'aime bien, donc voilà. Donc du coup, il y a Lupo, et il y en a d'autres aussi. Hein. On a quelques modifications, hein. On a aussi Spectre, c'est le sniper. Nous avons toujours notre Gordon Freeman. Gordon Freeman n'a pas changé de look en tout cas. Par contre maintenant il a l'armure parce qu'il y a un mode pour ça. Je suis pas super fan de l'arrière de l'armure, c'est très noir. Mais après ouais, ça fait old school quoi. Elle était comme ça l'armure, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu quand on jouait au jeu, mais elle était comme ça à l'époque. Et après on a d'autres personnages aussi, on a eu quelques modifications, par exemple Mox, il a une cape et tout, très stylé. Nous avons notre Templière qui est très très classe. J'aime beaucoup ce tissu, on dirait un peu du plastique, je sais pas. Nous avons aussi Vector qui est un... Bah ceux-là là, ceux qui marchent dans l'ombre et tout ça, qui sont invisibles. Et après on a notre bon vieux Spark. Ah, donc voilà, nous avons quelques personnages un peu uniques, qui est plutôt sympa. Donc déjà, nous avons des amis, nous avons Mox et Gary Wells. Alors Mox est un assaut, enfin non, c'est pas, comment on appelle ça, escarmoucheur, c'est ça? Escarmoucheur, je crois bien. Donc c'est celui-là qui se déplace, qui va vraiment au contact. Et après on a le lance-grenade. Alors est-ce que c'est utile? Ça permettrait à Mox de jouer plus souvent, genre un tour de plus. Le grenadier est déjà haut niveau, le grenadier est bien. Donc ouais, ça peut être pas mal. Donc je pense qu'on va prendre ça. Les frères d'armes. Avec Mox. C'est parti. C'est tellement gros le canon, on voit même. On voit même pas. Ouais, j'ai pas pris la photo, c'est pas grave. En tout cas. Nous avons plus de... Tout le monde est occupé, tout le monde est en train de chercher. On est en train de faire l'autopsie du roi Vipère parce qu'on l'avait tué la dernière mission. C'était vraiment magnifique. Je vous invite à regarder la dernière mission. Nous allons nous déplacer. Donc on n'a pas trop le choix. Alors je sais que j'avais gardé tout plein de bases exprès pour pouvoir baisser le projet Avatar extrêmement facilement. Ma dévotion pour les anciens sera plus forte que mon manque de confiance après cette défaite sur le champ de bataille. Donc comme je disais, c'est pas mal et on a des bases avec 2 points. Et la base, l'avatar lui-même, lui a seulement que 4 points, donc on a tout ça de libre. Après aussi on peut, je crois, utiliser le jack, vous savez, parce qu'on l'avait pas utilisé. Donc il nous faut 1600 de renseignements, ok, ça marche. Et là il nous faudrait l'antenne, c'est 150 de ressources. Donc il faut ou plus de renseignements ou plus de ressources, donc on va voir un peu ce qu'on a. Alliage, ressources et soldats. On va faire les ressources. Calcul du nouveau cap du tableau. Donc on a aussi le jack. Le jack qui permet, qui va nous faire apparaître un monstre assez puissant, qui est un peu chiant même à combattre. Nos recherches sont un succès, commandant. Mais ça va aussi baisser le projet Avatar. Du docteur Valen, je n'ai pas encore découvert comment elle avait pu arriver. On avait stoppé ça, on va reprendre le fusil de plasmique et de manipulation du matériel génétique extraterrestre. Nous nous mettons immédiatement au travail, commandant. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Terrain DC. Ok. J'ai mis rajouter un petit mode, c'est ça. Ce sont SHIV. Ce sont des petits robots, des drones comme ça, vous voyez, qu'on peut... Genre dans Stargate, ils ont balancé beaucoup dans la Stargate, en fait. En tout cas, on peut faire... Donc l'armure serpent, on n'a pas besoin d'argent. Donc on va la faire.
Après, je sais qu'on avait des augmentations à faire, genre les armures des soldats et tout ça, mais il nous manque des ressources. Il nous manque beaucoup de ressources, en fait. Il nous manque énormément de ressources. On a débloqué beaucoup de choses en même temps. C'est ça, le problème. Mais bon. On est un peu en avance, en fait, niveau équipement, je pense. Carl Nikon est plus secoué, très bien. Ok, voir mission. Des ressources et du renseignement. Ah bah putain, c'est parfait. En plus, c'est juste à côté. Commandant, Taigan et Shen seront furieux si nous ne faisons pas bon usage du Jack. Un de nos soldats doit en être équipé avant notre déploiement. Ok. Revitaliser le soldat. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça de temps en temps. Toute la volonté, tous les PV et tout ça. Mais je sais plus ce que ça utilise. Je crois que ça utilise des ressources. Ok. Alors, c'est une mission neutraliser la cible dans le véhicule d'Advent. Alors, il faut tuer le VIP, je crois. Ou alors le ramener, peut-être. On peut le ramener, je crois bien. On verra. Donc, en mission secrète. Donc, toi, t'es fatigué. Il n'y a pas grand monde qui est pas fatigué, en fait. Donc, 40 heures. Ça va. On a de l'escarmouche. Spécial, donc on prend Gordon. On a du tireur d'élite. À la limite, si on prend pas... On a du grenadier. Templier. Et... Ah, le Spark. On pourrait faire ça, comme ça, ça nous évite de prendre Mox. Comme ça, Mox sera... Enfin, il sera en pleine forme, quoi. Il sera en pleine forme. Ok, c'est parti. Alors. On va regarder un peu les équipements, vite fait. Toi, on va te mettre voilà, un gilet pour avoir plus de vie, parce que tu seras au contact. Nous avons, devons changer l'arme du Spark. Blindé, lance-roquette, très très bien. Ça c'est bon, ça c'est bon. Elle, on va lui mettre ça. On va lui garder la clé mort. Et qu'est-ce qu'on lui met d'autre? Appa, non. Grenade, baliseleur. Toxique. Ça peut être pas mal, baliseleur pour elle. Comme ça, genre, elle se met derrière les groupes d'ennemis. Et elle balance la balise derrière eux. Donc ils vont paniquer. Ils risquent de faire des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être intéressant. Canon magnétique, donc ça. Nous avons le fulton. Parce que vous vous rappelez qu'on pouvait récupérer les... Comment ça s'appelle? Les cadavres. Toxique et glacial, c'est pas mal. Toxique et glacial, c'est pas mal. Un sniper. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être faire des augmentations d'armes, non? Attends, pousse-toi avec ton arme, je vois rien, merci. Augmenté. Ah ouais, c'est vrai qu'on va les perdre des armes. Ah, c'est du rouge. On va mettre du bleu. Oh, c'est chiant. Pratique tous ces modes. Alors, ces modes ont été mis à jour. C'est possible que certains soient abîmés, tout. On va le découvrir, hein, de toute façon, on va le découvrir en live, en gros. Tout le monde... Non, toi non. On a la visée, on a la mobilité, on a l'esquive.
l'esquive. On aurait pu mettre de des HP en plus, mais bon. Ah, très bien, let's go. Ouh. On va voir un peu comment ça se passe. On va y aller doucement, si jamais il y a un problème on s'extrait, hein, on va y aller doucement, c'est un peu le début, on se remet un peu dans le bain. Enfin en tout cas pour moi c'est me remettre un peu dans le bain. Ah mais on a du bon matos. Je sais que la dernière fois on avait tué le chef alien vipère. Du coup ça veut dire que les autres aussi sont activés, donc on a le gros et après on a celui-là qui vole. Advent, enfin, voilà. Achemine un VIP de la plus haute importance dans la zone à bord d'un véhicule de transport. Et le porte-parole tient à s'assurer qu'il n'arrive pas à destination. Localisez et capturez la cible si possible. Neutralisez-la si nécessaire. Éliminez les forces hostiles que vous rencontrerez. Ok, c'est parti. Menace 1-5, position de la cible confirmée. C'est à vous de jouer. Éliminez les contacts hostiles. Tentative de camouflage en cours. C'est parti. Donc évacuer, capturer ou tuer le VIP. Ok, on doit juste évacuer là, c'est pas mal. On a un immeuble. Je pense... Ok, là c'est le bord de la map. Je pense que ce qu'on pourrait faire c'est ça. Se placer là, attaquer et après on part. Un peu pour éviter les gens ici. Bon après, ce qu'on pourrait faire aussi, ça serait se placer en hauteur. Mais du coup on sera au milieu. On va voir, on va voir, on va voir. On va un peu faire le... On va scouter. On va aller un peu voir ce qui se passe. On va se mettre là, comme ça elle va voir là, elle va voir là. Personne. Il ne sert à rien de vous cacher. Ok. Donc ils sont dans le bâtiment, vous voyez, ça c'est un peu un problème. Dans le bâtiment, ça c'est quoi? Il y avait encore un truc là, je crois. Ouais, ça, c'est son... ça doit être des humains, ça. Ok, bâtiment alors. Bâtiment. On va y aller en deux fois. Alors attends, non, ils vont pas venir. On va se mettre là, dans le coin, comme ça. Go. Protéger de ce côté. Vas-y, Gordon. Ok. Donc on a du gros, ça marche. Ok, faut faire gaffe, on va se mettre là. Ok. Ah oui, le robot il est un peu... Je passe devant. Voilà. Très bien. Je crois qu'il y a des trucs qui volent, non? Pas la peine de fuir. Ok, on l'a marqué. Ok, ici ça a pas l'air de trop bouger, ce qui est quand même un problème pour moi. Je bouge. Ouh. Leur patrouille approche. Ok, on a même une tourelle. Menace 1-5, identité de la cible confirmée. N'essayez pas de vous cacher. On a 11 tours. Alors ce qu'on pourrait faire, si on veut partir, si on prend pas de risque, on met la clé mort. On fait passer tout le monde sur le côté, l'extrême droite, là.
Genre comme ça, tac. Et on part. Et on fait péter. Le mec meurt, la mission est un succès. Mais on va essayer quand même de récupérer le mec. C'est le plus intéressant. Donc je pense qu'on va essayer de se placer sur ce bâtiment. Sans les camper. Plutôt. Shaun Antavix. Ça c'est le Spark. Ça me semble raisonnable. Je pense qu'on va mettre une clé mort ici. On va la mettre après, hein. pas maintenant. Mais on va la mettre et je pense que ça va nous permettre de... Je vais me placer. Je sais où vous vous cachez. Oh hey, this is smart. This is a great idea. Reste cool. Ok. Qu'est-ce qu'il bouge ? Eux, va falloir les combattre, il va falloir les tuer vite. Ok, ça marche. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de mouvement, hein, je veux pas dire, mais... bon, là, il faudrait que tu passes en plein milieu. Tu peux pas vraiment, ça marche. Là, on a une échelle ou pas ? On a peut-être pas d'échelle. Tu pourrais passer là. Je couvre la zone. Très bien. Stepping off. Getting crazy now. J'avoue que c'est un peu crazy crazy. Parce que là on n'est pas couvert. Qu'il en soit ainsi. J'avoue que là c'est un peu risqué, on n'est pas couvert rien. Mais bon. Mais bon. Hein. Ok, donc ils sont là. Ouais, faudrait se placer là. Je pense qu'on a une belle vue pour sniper pas mal de monde. Après, bon, le problème c'est eux là. Faut voir. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens. Ça m'embête. Extinction, contrôle de tourelle. Contrôle de tourelle, ça peut être utile. Los. Ah oui, c'est vrai que là, il va falloir... T'es protégé là, ouais, t'es protégé. Je fais vite. Youp là. J'approuve cette décision. On the move. Ok, très bien.
Voilà. On va voir un peu comment ça se passe. Pour le moment, ça se passe doucement, lentement. Ok, ils sont en train de partir. C'est un peu emmerdant. Ok, ok, ok. Les autres n'ont pas l'air de vouloir bouger. Ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'ils soient pas à notre portée. Comme ça, on les active pas. Comme ça, on active que un 7, voire 2. Mais bon, on a vraiment une belle, belle, belle... Ça m'emmerde, hein. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. On a vraiment une belle opportunité, là. Ce serait top. On fait tout péter, les trois meurent en même temps. On pourrait faire ça. On gèle tout le monde. Comme ça, on se fait que les autres. Ça peut être une possibilité. Et le groupe là avec les sectoïdes, ils vont sûrement venir vers les voitures, vers la... vers ça. La tourelle, la tourelle. On prend le contrôle. Ouais, ouais, ok. On va... Allez, on tente, on tente, on tente. C'est un peu compliqué ce qu'on fait, mais... On attaque en premier. C'est pas vraiment mon... Mon truc d'attaquer en premier. Je les laisse plutôt nous découvrir. Et après, on rectifie les tirs et tout ça. Ah, donc c'est pas vraiment mon truc. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Ok, les trucs apparemment sont pas activés, ce qui est bizarre, pourtant je crois qu'on a vu sur eux. C'est bizarre. Une confrontation à faire, confrontation c'est gratuit je crois bien. Main fulgurante c'est gratuit. À 0%, ça m'étonnerait. Je crois qu'on a des problèmes de pourcentage. Faudrait que je remette le mode. Est-ce qu'on a une couverture un peu mieux? Non, on n'a pas de couverture un peu mieux. C'est parti. On est fou. Intrépide. Waouh, ok. Ok, là on a un problème. Oh, ok. J'étais pas sûr, mais ça la repère. Erreur. Ça arrive, y a pas de problème.
s'est vraiment surpassé, n'est-ce pas? Poum. Très bien. La mort de cette unité change-t-elle quelque chose? On n'a pas du 0%, hein, c'est pas vrai. C'est pas zéro. Ouais, tu veux pas... sans déconner. Sans déconner. Hein. En plus, il m'énerve, il arrête pas de marcher. Attends. Si on fait péter là, ça touche. Là, ça a l'air de toucher. Très bien. Ça taille 8. La frappe s'élance. Ok, go. Très bien. Lui. Critique 4, très bien. Je me rappelle plus si confrontation... Ah, sur chaque ennemi visible. Je sais pas si le mec est considéré comme un ennemi visible. Je sais pas. Ça, c'est des grenades flash. Blend grenade. Blend grenade. Désorienté, parfait. Très bien. Il y a la tourelle qui fait peur. Ça va. Bah quoi qu'elle tire deux fois, non? Non, quoi. Yeah. Ok, c'est parti. Ça c'est fait. Prends l'objet. Noyau d'Elerium, très bien. On a une clé mort que je voudrais bien faire exploser là, mais on va pas le faire. Je pose l'arme. Ok. Alors on peut la faire péter à distance avec elle-même. Mais on pourrait aussi tirer dessus. Ou alors faire ça. On va empoisonner. Ah, vous vous rappelez, hein, fan du lance-grenade, c'est moi. Mélange explosif et tout ça. Ouais, c'est très très bien. Très 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 bien. Là, on a quoi? On a 1-1. C'est bon, ils sont morts. Ils vont se faire... ils sont désorientés et empoisonnés. Donc c'est bon. Ça, c'est fait. Vous voyez que là, on y arrive. Donc il n'y a que la tourelle qui peut être un danger. Bannissement aussi à faire. Bannissement, c'est on vide le chargeur en fait, je crois.
qui reste une vie jusqu'à ce que vous soyez à court de munitions ou qu'elle meure. Ok, je pense que ce sera le mieux. Après, on a un protocole de combat, œil de lynx, piraté. Non. Ça, c'est 3 tours, donc on va encore avoir un problème avec la tourelle. On a encore le robot à jouer. Ouais, on est un peu limité, on est un peu limité. On a encore un tir au sniper. Ça marche. Quel bannissement. Ce monde nous appartient. Très bien. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc on a encore deux là. On a encore un machin. Ok, on est bien, on est bien. On a couloir à confrontation qui sert à rien parce que... il va tirer sur n'importe qui en fait. C'est un peu la merde. On va celui-là, tirer sur celui-là qui est pas protégé avec de la chance, 63% de faire un crit. Allez, allez, allez. Merde. C'est chiant ça. On a du 12, on peut tuer. Alors on peut tirer dessus. Moi, pour moi, le plus dangereux reste ça. 7 à 8. Il y a une chance qu'on la tue. Il y a une chance qu'on la détruise, en fait. Ou alors, on fait jouer quelqu'un d'autre. On refait jouer le Templier. Donc, on pourrait tuer lui. C'est gratuit, ça. Un seul point d'action, je crois que ça. Une seule charge par mission. Okay. On a besoin de. Do you people hear anything I'm saying? I don't think you do. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Je sais pas ce qui se passe. T'as combien de vie toi? Attaque! Ok, on a tué le bon. Je sais pas ce qui se passe. On va recharger. On va recharger. On va recharger. Ok, nous sommes de retour ici. Je suis désolé. Je sais vraiment pas trop ce qui vient de se passer. Donc nous venons de couper. C'est bon, tout. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Donc il te reste une action encore. Freeman. On a le protocole de combat qui peut être intéressant. On a des chances que ça tue. On a des chances que ça tue. Si ça tue... On peut one shot le l'autre. Hein? C'est ça? Hein? Ok, ça marche. Bon bah go hein. C'est vraiment surpassé, n'est-ce pas? Je sais plus que si 4 tours, ok, c'est un cooldown, ça marche. Bien. Cadavre de Goliath au sol.
T'es protégé normalement. Mon pouvoir, c'est impossible. Je comprends pas. Pas protégé. Non. Okay. J'ai cru qu'elle avait tiré sur le sur le VIP. N'est plus en proie à la panique. Ok, ça marche. On peut mettre en suppression pour enlever la suppression. Mais est-ce qu'on en a besoin? Ok, maintenant on va se casser. Je crois qu'il nous reste 5 tours. On va Fissa Fissa. Très bien. Tada. Voilà. Regardez comment on fait. Ok, très bien. Vulnérabilité au corps à corps, tu m'étonnes. 9 à 10, très bien. Pour les Templiers. Parfait. Ah oui, on peut se déplacer, c'est vrai. Je fais vite. On est prêt à partir. On sait pas si on est encore, on est seul. Hein. Donc, on va rester avec du Overwatch. Ok, très bien. Menace 1-5, statut confirmé. Le colis est sous bonne garde. Parfait. Je dois faire vite. On va d'abord attendre qu'elle avance. Juste au cas où. Ok, tout va bien. On va récupérer des corps au passage. Vous vous rappelez, on les extrait. C'est un peu le... Le truc un peu spécial de mon playthrough. Not a problem. Ah, faudra mettre des ballons Fulton plus tard. Ça serait cool. Faudrait que je regarde, je fasse un peu le tri des... On my way. Si on pirate, ça fait quoi? Alerte sur la carte. Ouais, faudrait que je regarde les... Les modes un peu. J'espère que vous savez où je vais. Le VIP est avec moi. On se prépare. Okay, à très rentrer. Bien. Là, on se casse. On est à portée. C'est une mission qui s'est très très bien passée. De tous les extraterrestres. Oh. Il a fallu qu'elle modifie un berserker. Ben voyons. Sa curiosité était fondée. Mais je reconnais que ce choix n'était pas très prudent. C'est l'occasion jamais de lui faire mordre la poussière, commandant. Alors en avant. Menace 1-5, nous détectons un transport ennemi en route vers votre position. Ça change un peu tout là. On est Rüstung abgeprallt.
now. Ça change un peu tout. Oh la vache. Grenade out. Reste cool. Je suis contraint d'accepter. Oh merde. Ah là 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 là. Déplace, il a pas l'air d'attaquer en fait. Je pense. I don't care. I don't care. Gordon. On a ça devant nous. Ouais, il attaque là. Il est furieux. Nous devons éviter tout contact. On pourrait partir. Et après, on part en urgence. Est-ce que toi, tu vas pouvoir partir? Je suis pas sûr. L'unité rentre à la base. Ok. Après, Gordon, il peut tracer, hein, il peut faire un sprint. J'espère qu'il va se concentrer sur la Templière. La Templière est quand même résistante. Pas joué. Ah, je comprends Gordon. Reste cool. Dodge. Je suis attaqué. Absolutely. Faut pas qu'il la stun. Faut pas qu'il la stun. Raté, très bien. On a de la chance. Je pars. Gordon aussi. Yes! Wouhouhou! Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. Ah, on aurait pu partir sans se prendre de dégâts. Et ça va, cool. C'est très très moche, très très moche la photo. Ah, j'ai pas eu de petit... désolé, non, ce que je voulais dire c'est que je suis désolé pour le petit bug qui s'est produit. Les dissidents actifs hors des centres urbains n'ont pas pu empêcher les progrès des programmes d'aide sociale et de développement d'Advent.
Les chiffres de l'émigration citoyenne volontaire sont au plus haut depuis des années. Parfait. Je doute que le cobaye du docteur Vallon nous laisse en paix, commandant. Ouvrez bien l'œil. Il pourrait revenir n'importe quand. On a eu des blessures légères, ça va, c'est pas très grave. On a un peu de fatigue. Ah, beaucoup de fatigue là par contre. On a récupéré ça, donc on a récupéré un soldat. Bon, un soldat, un cadavre. On a été obligé d'en laisser un autre, parce qu'on en avait plusieurs. On a récupéré deux noyaux, très bien. Bonjour, commandant. Les ressources et renseignements. Franchement, c'est mission soldat secoué, ouais, c'est la merde. Aussi. C'est une mission qui s'est bien déroulée, même on a tenté un peu notre chance hein, au début. On a eu beaucoup d'ennemis en un tour, mais ça s'est quand même bien passé après, donc plutôt content. Vous avez fait un sacré des gens qui ont réparé ce vaisseau, docteur. C'est tout ce qu'on a, et je sais que les extraterrestres n'apprécient pas de perdre l'un des leurs. Ils étaient loin de se douter qu'on pourrait le faire redécoller. Je suis ravi de leur prouver qu'ils avaient tort. Le robot. Alors, faut que je me rappelle. Alors, intimidation. Si l'unité est la cible d'une attaque, l'ennemi a une chance d'être pris de panique. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment cool. Boulet de démolition. Lorsque le radar est activé, vous brisez les murs et les abris en vous déplaçant. Ça permet de faire tomber des choses. L'arme lourde équipée inflige 2 points de dégâts de plus en touchant une zone plus large. C'est bien ça. Je crois qu'on peut prendre. Ouais, on peut. On peut utiliser des points en fait. On peut utiliser des points pour récupérer des habilités. Le boulet de démolition est quand même bien. Moi j'aime bien. Mais c'est un peu aléatoire quand même. Mais ça peut détruire tout ce qui est. Couverture et tout. Donc à la limite, ça pourrait être bien couplé avec ça. Parce que vous mettez en overdrive, vous foncez. Vous voyez, vous foncez, vous détruisez tout sur votre passage. Même si quelqu'un est derrière un abri, tout ça. Vous passez dans l'abri, tout ça. Et vous allez taper en plein dans le monstre. Ouais, c'est plutôt cool, plutôt cool. Donc on va prendre ça. Et j'avais envie de prendre ça aussi. Et d'utiliser des points du coup. Les armes lourdes équipées infligent 2 points de dégâts en plus et touchent une zone plus large. Ça va nous faire dépenser des points. On en a 54. Parce que le robot est quand même vachement utile. Pas de pénalité de recul aussi, ça c'est vachement bien. Intimidation, c'est vachement bien aussi. En fait, c'est le robot, moi personnellement, c'est un de mes trucs, des trucs un peu préférés, quoi. Ouais. Intimidation est vraiment cool aussi. Hein, intimidation. On va prendre ça. Ça peut aider. Voilà, très bien. On va arrêter là. Je vais pas prendre plus d'habilité que ça. Blessure légère 5 jours. Bon, il doit être réparé pendant 5 jours. Je vais pas prendre plus d'habilité que ça. Je vais réfléchir entre la prochaine mission. En fait, du coup. Et on verra ce qu'on fera. J'aurais bien besoin d'aide. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Encore désolé pour ce petit bug bizarre. Mais je crois que j'en avais déjà eu un au début. Ça arrive de temps en temps quand il y a des actions. C'est très rare. C'est très 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 rare. C'est une fois toutes les 30 heures peut-être. Donc c'est pas tout le temps. Mais voilà, on a les munitions d'essai qui sont bientôt prêtes. Donc plein de trucs. On va pouvoir lancer l'armure serpent, le psylab. Franchement, ça se passe super bien. Super bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Salut. Ciao.